Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être mon top 10 de mes rouges à lèvres préférés pour cette saison. Enfin, la saison qui va arriver, plutôt l'hiver. Même s'il fait froid, là, c'est vraiment pénible. Donc, je vous ai fait précédemment donc, mon top 12 de mes vernis préférés pour la saison. Et je vous mettrai le lien quelque part. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Donc, on va commencer par les rouges à lèvres rouges. Parce que je pense que c'est the rouge à lèvres. Hein. Donc j'en ai 3 à vous présenter. 3 à différents prix. Je vais commencer par le moins cher. Alors c'est le Kiko, c'est celui que je porte actuellement. C'est le 908, c'est un rouge. Il est super joli. Il se présente comme ceci. Il a plutôt un rendu glossy. Voilà, c'est plus quelque chose d'hydratant. Voilà, c'est pas un effet mat, mais je vais vous en présenter un autre qui est mat. Donc voilà, il coûte 3,90€, mais pendant les soldes, 2,50€. Voilà. Ensuite, on va se diriger vers quelque chose qui est un petit peu plus cher, mais cette fois-ci, c'est notre rouge. C'est le rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Voilà. Il se présente comme ceci. Il est plus foncé, hein. C'est un rouge bordeaux un peu. Je sais pas si on va voir la différence. Celui-ci coûte normalement 20€. Franchement, je ne vois pas pourquoi il coûte ce prix-là. Et en fait, je l'ai eu au prix de 10€ parce qu'il était à 50%. De toute façon, j'allais pas mettre 20€ dans un rouge à lèvres. Ça, c'est clair et net. Ensuite, le dernier rouge à lèvres rouge que je vais vous présenter, c'est le MAC. Alors, il est comme ceci. Il est trop beau. Magnifique. Voilà. C'est le plus cher que je possède dans ma collection. Il est mat. Voilà. Il n'est pas comme le Kiko. Il est plus foncé que le Kiko. Il est mat. Ouais. Il est très joli. Voilà. Ensuite, passons à la catégorie des rouges à lèvres qui sont plutôt rose, le rose pastel, on va dire ça. Je vais commencer par l'incontournable rose de chez Bourjois que j'aime trop. D'ailleurs, je vais me le racheter si je le retrouve. Il se présente comme ceci. C'est le, j'y vais plus. C'est la référence, c'est Sweet Kiss Love Séduisant, rose séduisant, je sais plus. Il se présente comme ceci. Il est très joli. Il m'a coûté 4,50€ à Queen Makeup et je crois qu'il, enfin, il n'y en a plus en fait à Saga. Donc c'est à Queen Makeup que je l'ai trouvé. Il se présente comme ceci. Ensuite, j'ai trouvé à peu près l'équivalent à Kiko qui est ici, le 913. Voilà, il est très 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 beau. Enfin, c'est pas trop l'équivalent en fait. En fait, si. Oh ouais. Il lui ressemble. Attendez. Alors, lui, il a plus des. Celui de Bourjois, il a plus des sous-tons bleutés que lui. Lui, il a plus des sous-tons violets en fait. Je sais pas, vous allez pas le voir peut-être. Voilà. Plus des sous-tons bleutés ici, violine. Ensuite, je vais passer à la catégorie tout ce qui est prune, rose foncé. Donc j'ai bien évidemment mon rouge à lèvres préféré de tous les temps, c'est celui le 914 de chez Kiko. C'est un prune. Voilà. Je vous présente comme ceci. C'est trop chiant avec la lumière. Il est trop beau, allez-y, le swatcher en magasin. Moi, depuis un an, je l'ai, je fais que le porter. Il est en train de descendre bien comme il faut. Ensuite, dans la même catégorie, je vais prendre le mat. C'est un mat. C'est le mat mi de chez Sleek qui est trop, trop, trop bien. Il ne bouge pas du tout de la journée. Il se présente comme ceci. C'est le 431 Fandango Purple. Purple. Alors. C'est un rouge à lèvres, c'est pas un gloss. Hein.
Dernière catégorie, ça va être les nudes, bien évidemment. D'ailleurs, pourquoi j'ai une nude? Alors, j'ai le bourgeois. C'est le suite de la même gamme que celui-ci. C'est le Sweet Kiss, le naturel. C'est le 04 Fuchsia Ardent. C'est pas un fuchsia, hein. C'est un nude qui se présente comme ceci. Le bras. Le Matte Me aussi à vous présenter qui se présente comme ceci, c'est le Bubble Suit, c'est le 436, c'est un nude aussi, c'est un rouge à lèvres, il est mat, il est trop bien. Mais en fait, quand je le mets, ils se font très bien avec la couleur de. On dirait que j'ai pas du tout de rouge à lèvres en fait. Voilà. On a mis un petit peu trop. Et j'en ai un dernier à vous présenter. C'est le combien? Le 907 de chez Kiko. C'est une nouvelle acquisition. Enfin, ça fait 3 semaines que je l'ai, je crois. C'est un orange, mais qui est trop beau. C'est pas trop flashy en fait, mais c'est plutôt glossy. J'aime beaucoup. Ben, je l'ai mis dans la catégorie nude un peu parce que, à dire, ça y ressemble. Voilà. Voilà les bras. Voilà pour tout ce qui est présentation de mes 10 rouges à lèvres préférés pour cette saison. Je les porte très souvent, mais j'aime trop tous ces rouges à lèvres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à aimer cette vidéo. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Ciao !